Babine. Il fait un temps nul. Ouais. Ça va? Ouais. Ça va carrément. Elle a dormi sous ton vent, la babine? Ouais. Tindel. Mais quelle babine. Elle est intelligente, elle s'est mise à l'abri de la pluie. T'as entendu la pluie cette nuit? Non. Moi non plus. Ah mais elle me fait trop rire, babine. Ça va ma belle? C'est moi, c'est papa. Voilà, est-ce qu'on voit les montagnes? Pas du tout. Moi je vais prendre du miel parce que figure-toi que j'ai un léger mal de gorge. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre les chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées, mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines, en improvisant jour après jour mon chemin, équipé à l'ancienne, sans objets modernes. Je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Ça donne presque envie de refaire un apéro, quoi. Elle est pas fine. Hein. Bah alors aujourd'hui, les amis, il flotte. Il flotte beaucoup et apparemment, c'est de la pluie qui est prévue toute la journée. Et il va quand même falloir que je reparte parce que bah, Barbara reste pas ici. Elle doit rentrer chez elle. Mais putain, la nuit que j'ai dormi, je vois de suite la différence quand j'ai un vrai matelas et un vrai lit. Et après, moi, il va falloir que je décolle. Flemme, quand il pleut comme ça, là vous le voyez pas, mais en fait là il pleut beaucoup. Moi j'ai dormi là-haut. Et du coup, ben voilà. Mais là vraiment, je suis pas pressé de partir quoi. Donc ça y est, j'ai repris la route. J'ai dit au revoir à Barbara. Sindel est en train de me suivre. Aujourd'hui c'est journée pluvieuse. Et j'arrive donc dans le petit village. D'après, je marche avec le bâton de berger qui m'a été offert. Et j'ai déjà les godasses absolument trempées, même si c'est du cuir et que la flotte rentre pas. Ben là, entre hier soir et aujourd'hui, l'eau a fini par même par humidifier l'intérieur. Donc là, j'ai déjà les pieds. Ça fait floc floc dans ma chaussette. Mais c'est pas grave, car je n'ai pas de car. C'est pas grave, car il y a des choses plus graves. Cette nuit, j'ai dormi au village de Saint-Aromand, vraiment à côté du cimetière, alors c'est ici. Et là, j'ai marché tout ça, j'ai pas beaucoup marché là pour l'instant. Là, je suis au village d'après, Bazus-Nest. Et donc là, c'est par où je vais monter au nord, je vais passer par l'Hortête, et je vais voir où je m'arrête pour ce soir, je n'ai aucune idée. Donc je vais à l'Hortée. Vous voyez, rien qu'au-dessus, c'est encore une variante du Camino, là. Ça rend quoi, là. Mais moi, c'est par ici. Arrivé sur leur tête. Voilà. Pas plus à dire. À part que bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette aventure. Oh, trop beau. Excellent. Je me vois pas m'arrêter maintenant parce que j'ai l'impression que je viens seulement de commencer ma journée.
mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, l'Orthé, hein. Oh, que c'est beau. Je marche avec un autre pèlerin en face qui s'appelle Christian. Et alors là, mais regardez l'arbre, cèdre du Liban, ça. Je sais pas si... Ah non, en vidéo, ça rendra pas. Il faut éventuellement que je mette la vidéo comme ça. Alors là, tous ceux qui regardent en horizontal sont dégoûtés, soudainement. Mais what? Je suis arrivé au village de Liorté, Lorette des Mares. Et en fait, j'ai rencontré Christian. Alors en réalité, Christian, je l'ai rencontré depuis Saint-Bertrand-de-Comminges. Et du coup, on a parlé à Saint-Bertrand-de-Comminges. Après, lui, il est resté. Moi, j'ai avancé. Et là, ça fait quelques fois qu'on se croise, qu'on se décroise, machin. Donc là, je suis arrivé à Liorette. Il était là. On a bu une bière. Et là, on est en train de... Il est 19h passé, donc en vrai, un pèlerin censé s'arrêterait au village d'avant. Mais nous, on a décidé de reprendre la route et pour aller à Esperanzo, ou je sais pas le nom du village d'après. Bref, donc voilà. Christian est devant. Et moi, je suis ben, là, derrière. Et putain, mais c'est quoi cet arbre? Oh là là! La beauté. Comment vous pouvez... Je m'adresse aux athées, là. Comment vous ne pouvez ne pas croire en Dieu quand vous voyez ça? Expliquez-moi juste. Mais même quand vous voyez ça en réalité, ça là, même derrière, comment ne pas croire en Dieu quand vous voyez ça? Comment vous ne croyez pas en Dieu quand vous voyez ça? Comment vous ne croyez pas en Dieu quand vous voyez ça? Et les audis, c'est bien la preuve que Dieu existe, les audis. Ah, va se plaire, Sindel, là. Bonjour. Waouh! Ah, vous avez repéré Sindel, vous, hein? Vous allez où, monsieur, dame? Eh ben, on retourne en Sologne. Vous retournez en Sologne? J'espère pas! Il vous a fallu 2 mois pour venir, il va vous falloir 2 mois pour remonter. T'as vu, Sindel? Au revoir les quevaux. Donc là on vient de rencontrer un couple. Un couple qui marche avec le chien et les 4 chevaux. Chacun en monte un. Et les 2 autres portent les affaires. 2-3 mois qui marchent. Improbable. Et Sindel s'en tape le coquillard des chevaux. Vraiment c'est genre ouais. Bon les couilles. Bon, alors je suis en train de descendre dans une forêt. Honnêtement, je sais pas du tout où je suis. J'ai pas beaucoup filmé. En fait, je suis parti super tard aujourd'hui. Vraiment tard. Je sais que j'approche bientôt de Lourdes, alors je ralentis. Mais vraiment, quand je vous dis je ralentis, c'est... Je suis limite à du 5 bornes par jour, là. Je freine de ouf. J'ai pas envie de terminer cette aventure. Je sais pas ce que je fais après. Est-ce que je rentre chez moi à pied? Est-ce que je rentre chez moi avec un véhicule? Est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que machin? Est-ce que si? Je sais pas, je sais pas. Je viens de passer quasiment... En fait, je dis 2 mois, mais en fait, ça fait plus que 2 mois. Parce qu'avant, il y avait toute la partie avec Stevenson. Ça fait longtemps que je marche dehors. Et je me vois tellement pas rentrer chez moi, en fait. Et pourtant, je sais d'avance ce que je vais faire chez moi. J'ai les abeilles à m'occuper, le miel. J'ai mes chats à retrouver. Niaou, mamoun. J'ai mon jardin, j'ai de l'entretien à faire. J'ai surtout un gros projet que je vous ai pas parlé. C'est un énorme projet, il est costaud, il est fat. J'ai le bar Ultreya à m'occuper, c'est un bar que j'ai monté. J'ai à faire chez moi, mais c'est juste que je viens de passer. Je suis là avec Sindel, si vous voulez. On est en train de marcher, il est 20h passé. Il fait encore beau. J'ai une petite bière dans le sac, je vais m'arrêter, boire un coup. J'ai perdu Christian, le pèlerin avec qui je marchais, alors j'imagine qu'il est devant, mais je sais pas où. Mais voilà, et je me dis, bah c'est bien en fait, finalement je pourrais presque rester comme ça. Et je me suis pris la flotte toute la journée, là j'ai les pieds absolument trempés, hein, en atteste le cuir. Mais voilà, je suis là, je suis tranquille, je suis bien. Je fais mes petites vidéos sur YouTube, tranquille. Manque plus qu'une gonzesse
Et encore, casse les couilles. Mais non, évidemment qu'il manque une gonzesse. Le jour où j'ai une femme, les gars, j'arrête tout. J'arrête les vidéos, tu comprends. Je suis un homme responsable, moi. Fini les gamineries. Après, ça sera métro, boulot, dodo. Je me lèverai à 7h du matin. Bonjour, circuit. Voilà, j'irai travailler et tout. Payer les factures, tout ça. La vraie vie, quoi. La stabilité, tout ça. C'est le prix à payer pour être aimé. Tu comprends. Les vagabonds... Vagabond, ça fait rêver, ça fait fantasmer, mais c'est pas très sérieux tout ça. On sait plus, bon bref, écoute, je te laisse faire les choses. Déjà, je vais rencontrer Mère Marie à Lourdes. Puis je verrai par la suite, je m'inquiète pas en fait. Je vous parle de ça parce que vous me êtes nombreux à me dire ah, qu'est-ce que tu fais après, machin, mais j'en sais rien ce que je fais après, les gars. Sortez, allez marcher 2 mois, vivez dans la nature, là, sous la flotte, au soleil, dormez dans la forêt, lavez-vous dans les rivières. Vous verrez qu'au bout de 2 mois, quand on vous dit tu fais quoi après, t'en as rien à foutre, t'as envie de dire ah, mais ta gueule quoi, c'est tout. À un moment donné, t'es là, j'en sais rien ce que je fais après, on verra, je m'en branle en fait. Moi, théoriquement, je m'en fous, c'est même plus, je vis au jour le jour, c'est là, je vis à la minute, minute. Nardine. En fait, je marche, mais il serait temps que je trouve un campement au bout d'un moment. Il faudrait que j'arrête d'avancer et que je me dise, ouais, allez, je me mets là, parce que là, je ne sais pas où je vais en réalité. Hein. Toujours en train de descendre la petite forêt, c'est très agréable. Je me sens vraiment dans les Pyrénées. Et puis là, alors, avec le bâton de berger que j'ai, là, les cloches, écoutez. Les vaches, les moutons, les chèvres, là, je me sens vraiment dans les Pyrénées. Ça, c'est un régal, c'est un régal. J'ai toujours aimé ce son de cloche, hein. Ça me berce, c'est un truc... Je crois qu'au fond de moi, je suis né pour être berger, en fait. Au bout d'un moment, arrêtons toutes ces fioritures, arrêtons toute cette superficialité qu'est YouTube. Et juste, prends un bâton, va t'isoler avec tes brebis et sois berger, quoi. Je crois que c'est ça, finalement, le véritable trésor dans la vie. Comment tu veux avoir envie de rentrer chez toi lorsque tu marches et que t'as ce genre de vision, quoi. Une belle montagne avec un clocher qui sort un peu... en contrebas, et tu sais que t'y vas, tu sais que c'est le chemin qui t'y mène. Je veux dire, c'est tellement... Enfin, j'ai rien de plus à dire, en fait, c'est tout. C'est une œuvre totale. Voilà la réponse. Qu'est-ce que je fais après Lourdes? Si tu ne sais pas où tes pas te mènent, ton cœur le sait. Voilà. Ah donc, où est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais après Lourdes? Putain, l'arbre, il a décidé de faire... On sait plus ce qui est rocher et racine. Qu'est-ce que t'en penses, Sindel? J'ai ma fiche, je vais dormir maintenant, il est l'heure de boire la bière. Bref, regardez, il est monté sur un rocher façon huître, et du coup, nous on sait plus ce qu'est rocher que de racines et tout, enfin bref, c'est ça, finalement c'est ça l'union. Voilà, mariez-vous. Ah, des noix, c'est des noix? Des noix, on regarde ce qu'il y a écrit là. C'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai. Et regarde, j'étais par la dame. Tu dis, je voulais lui filer des sous. Hein. Elle n'a pas voulu d'argent. Elle veut juste un petit mot dans le livre d'or. Regarde. Toi, t'es mieux. Putain, on est refait. Tu es refait. Moi, je veux bien manger une noix, moi. Parce que bah, c'est pour nous. Hein. C'est trop bien. J'ai dit que t'arrivais avec ton âne. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on mette un mot. Quand on met un mot, bah, je lui ferai un dessin. Tu vois où la porte est ouverte là, ça fait un petit corral plein d'herbes. J'ai envie de lui demander si on peut passer. Putain, c'est beau, hein. C'est magnifique. Je suis content, putain, mais c'était tellement pourri les décors que j'ai. Je parle depuis Toulouse. Là, c'est beau depuis quelques jours. Mais là, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est magnifique. Donc là, c'est la Bastide. Le Pays Basque. Ça va, Sindel? J'y vais bien. Bon, du coup, le chemin arrive de là. J'étais en train de filmer et parler tout seul comme un con. Et j'avais pas vu qu'en fait, bah, juste ici, t'avais Christian qui m'attendait. Et j'ai un peu honte quand on me surprend parler tout seul. Donc on va s'arrêter là, on va se faire un petit apéro. Quelqu'un nous a donné à boire et à manger. C'est pas le meilleur bar du monde, ça. Comment tu veux rentrer chez toi après ça? Regardez cette vision là, on dirait une peinture. Donc je viens de rencontrer un Fred, un abonné fort sympathique, qui nous a amené une bière. Il nous a trouvé tout simplement grâce à une story, j'ai publié une petite story sur Instagram. Il a reconnu l'endroit et il est arrivé. Et pendant ce temps, une dame qui avait un petit donativo nous a amené du pain frais et du pâté. Donc on a mangé, on a bu, que demander de plus? Toi tu marches, t'arrives,
à boire, à manger, il n'y a plus rien quoi. Tu as juste à mettre les pieds sous la table au bout d'un moment. Et là, ben, je vais chercher un endroit où passer la nuit avec Sindel. Voici où j'ai dormi, littéralement dans un champ, en réalité. Hier soir, je cherchais, je suis venu près de l'église. Je pensais trouver un terrain d'herbe où il n'y avait rien, donc j'ai poussé la clôture là. Je suis rentré et je me suis mis là. Et c'est pas le meilleur coin, hein, c'est pas très joli. Mais voilà, avec les arbres, j'étais un peu caché. Et ce que je voulais dire, c'est que maintenant, le nouveau délire de Sindel, quand je lui laisse trop de... Parce que le soir, je lui mets la corde quand même. Je la laisse pas en liberté, même si je suis dans un endroit fermé. Parce que voilà, c'est par sécurité, j'aimerais pas qu'elle parte. Et bien, son nouveau délire, quand la corde a assez de longueur pour venir jusqu'à moi, c'est, vous voyez là, elle se met là, elle marche dessus. Elle a besoin d'être quasiment à côté de moi. Donc je lui rétrécirai la corde. Hein, Babine? Je quitte l'endroit où j'ai passé la nuitée. Bon, honnêtement, c'était pas tip top. C'était vraiment truc de dernière minute, trouvé à l'arrache. Alors pourquoi j'ai pas dormi avec Christian, l'autre pèlerin? Parce que Christian, il allait se lever de bonne heure. Et pas moi, j'avais encore du montage à faire. Et je sais que quand je fais du montage à côté de ça, ben le lendemain, je peux pas me lever à 6h ou 7h. Et surtout, l'endroit qu'on a trouvé hier soir, c'est des grottes. Ça a l'air d'être un truc un peu touristique, où genre t'avais un bureau d'accueil, un parking. Et je me suis dit, j'ai pas envie dès le matin, t'es en slip et t'as trop de gens autour de toi. Moi, j'avais besoin d'être dans le sauvage, manière de dire, parce que, waouh, cette porte est belle. J'étais pas vraiment dans le sauvage, mais peut-être un peu plus en retrait. Le village où je me trouve se nomme actuellement La Bastide. Les grottes, vous voyez, elles sont là. Moi, je vais me renclencher sur le chemin, là, le GR78. Et continuer mon aventure, mais peut-être avant de découvrir ce village, essayer de voir si je peux pas me faire un café quelque part. Bon, j'arrive à la grotte où hier soir, à la base, on devait dormir. J'ai essayé de voir s'ils n'ont pas du café. Ouais, aucun rapport, mais dans le village, là, il n'y avait pas de... Eh bien, ça a marché. Petit café. Je quitte le petit village pour m'enfoncer petit à petit dans la montagne. Et je sais pas pourquoi ça me met en joie. Je suis content. Bon, déjà parce que j'ai bu du café. En fait, je suis juste content. Là, il y a vraiment un côté... juste, je pars à l'aventure, quoi. Regardez. Je m'enfonce dans les montagnes. Je commence à grimper, en fait. Ah, c'est ça, j'ai juste envie de me perdre dans le sauvage. Je suis vraiment dans les montagnes, là, c'est silencieux, c'est fou. Moi, je vais à Esparros, mais je voulais vous montrer quelque chose. Lorsqu'on est observateur, notre regard se pose sur des trucs. Sur le coup, j'ai vu un tronc d'arbre, là, puis j'ai vu marqué Lyon. Et après Lyon, j'ai vu ça. Une petite vierge. Et je me suis dit, mais attends deux secondes. Là, il y a marqué, vous êtes ici. Je me suis dit, mais c'est la France, en fait, ça. Et c'est marrant parce que, eh ben les amis, je suis quasiment parti de là, moi. Le Puy-en-Velay, c'est par ici, quoi. Et en gros, j'ai fait ça, boum, 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 bam, boum, 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 boum. Incroyable de trouver une petite carte rustique. Sindel s'est blessé. Elle s'est pris les pieds dans un fil barbelé. Bon, alors, ça risque de vous choquer, mais en fait, c'est pas choquant, rassurez-vous. En fait, ça l'a ouvert ici, et ça l'a ouvert là-haut. Mais là, ça apparaît plein d'hémoglobine, mais en fait, c'est parce que je viens de la soigner. Donc, c'est le sang qui, après blessure, comme lorsque tu saignes du nez dans l'eau, quoi, ça fait un effet grave, alors qu'en fait, ça va, quoi. Ouais, elle s'est pris les pieds, il y avait un fil barbelé par terre, là, elle a pas vu, et bloum, bloum, bloum. Ça va, Babine? Ce matin, je me suis chopé une putain de châtaigne. Vous voyez ces fils là? Ces fils pour les vaches là. Oh putain, il y en avait un, je pensais pas qu'il y avait le courant dedans. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit non, le champ était un peu nul. Je me suis dit, il va pas y avoir de courant là-dedans. J'ai même pas réfléchi en fait. J'ai pris le truc. Mon gars, avec la main gauche, je l'ai pris le bordel. J'ai senti le jus me traverser. Vraiment, du bout des mains. J'ai senti le courant faire. Je passais dans le cœur, j'ai cru que mon cœur il s'était arrêté, ça fait vieux cœur et c'est reparti par le pied gauche. En fait, ça m'a fait, j'ai été conducteur. Vous voyez ce que je veux dire? Main gauche où il y a eu contact, dans mon cœur, ça m'a fait un putain de truc dans la poitrine, j'ai senti mon cœur qui a fait boum.
Et après, c'est reparti par le sol gauche. Et j'ai eu tout le côté gauche paralysé. Ça a fait... Mais pas le droit. Le droit, il va bien. Et là, putain, ça m'a sonné ce bordel. Mais je me suis dit, les mecs, ils te foutent des châtaignes pour que les vaches, ça s'échappe pas. Bref, du coup, ça m'a réveillé en même temps ce matin. Et en même temps, j'étais en mode, putain, imagine, tu crèves, t'es là dans un champ, on retrouve son cadavre 6 mois plus tard. Avec l'âne qui t'a bouffé, quoi. C'est par ici, Babine. Ah ouais, c'est vachement plus escarpé, là. Je retrouve une ambiance début de chemin dans les Cévennes. Mais je veux dire, ce côté passé avec Sindel dans exactement ce même type de chemin, avec des cailloux partout, des branches, et quand tu regardes sur le côté, ce genre de vue. Mais ça me fait plaisir parce qu'en fait, je vois l'évolution, quoi. Je vois l'évolution, c'est un effet miroir quand au début de l'aventure... Il y avait ce type de chemin et j'avais des inquiétudes avec Sindel, on n'était pas encore, on se connaissait pas, j'avais peur qu'elle avance pas, elle faisait des blocages, elle était pas du tout affective, je devais toujours la tenir à la corde, enfin plein de trucs, et là je vois l'effet miroir de l'évolution, on se retrouve dans le même type d'environnement, et je vois toute l'avancée quoi, je vois qu'elle là, elle me suit, elle me fait des câlins, je sais pas comment dire, je lui ai appris à me faire des bisous, putain vous allez voir ça je voulais pas montrer encore, je lui ai appris à me faire des bisous, j'essaierai de vous filmer ça, enfin plein de trucs comme ça en fait, et là je vois qu'on est de nouveau sur ce petit sentier là que je viens de faire me fait tellement penser au tout début des premiers épisodes du messager quoi, où j'avais dû la porter pour qu'elle traverse un rocher, enfin qu'elle passe et tout, qu'elle enjambe un truc, avec les cols, la route des cols, là vous voyez je dis ça parce que je vois que j'arrive à un col de coupe. Altitude 720 mètres, ah bon, je suis à 720 mètres ici. Enfin, et enfin, je me dis, mais c'est marrant, c'est. Ouais, c'est ça, c'est un Seven bis, mais version évolution, quoi. Et ça me montre vraiment la progression. Donc, je suis au col de coupe, et moi, je continue ici. La petite mousse, il me tardait tellement de voir ce genre d'ambiance avec les fougères là, ça c'est bon, ça me parle, c'est mon truc ça, putain, ça c'est totalement le genre d'environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'aime évoluer, dans lequel je viens me ressourcer, c'est riche, c'est touffu, c'est verdoyant, c'est sauvage, c'est brut. T'as du houx, t'as des fougères, t'as diverses graminées, t'as des hêtres, des châtaigniers, du bouleau, des chênes. J'ai du mal à croire qu'on les fait, quoi. Ça y est, Sindel, on est dans les Pyrénées. Oh là là. Je viens de regarder une carte, là, mais c'est fou tout ce qu'on a fait. Et j'y suis quoi, je suis dans les Pyrénées avec mon âne qui me suit. On a marché à pied tous les jours. Je veux dire, regardez, on est là, je suis point bleu, j'arrive bientôt sur Esparros, mais regardez 2 secondes si je dézoome. Regardez avec moi. Regardez d'où je suis parti, d'où nous sommes partis. Alors j'ai été au gouffre d'Esparros avec Sindel et même ici en plein milieu des montagnes je suis reconnu de YouTube et TikTok, non mais je n'en reviens pas. Une petite famille qui mangeait là, ouais j'ai le gars tip top. Ils m'ont amené un petit gâteau qui était très bon, fait maison. On a parlé. Et là maintenant je reprends la route direction Esparros. Arrivé sur Esparros. Mais matez-moi ces paysages. Petit ciel bleu nuageux. Petite Sindel à côté de petits ponts en bois et petites maisons bleues. Oui, je dis le mot petit quand c'est trop mignon. Petite ambiance bien sympa. Petite fleur ici, petit rocher là. T'aimes mes chaussures, c'est Nike. Ce village dans les montagnes est vraiment chouette. Bonne petite ambiance. Alors, je vous l'ai pas dit, mais moi, en fait, je suis
Le chemin que je suis, je vous ai toujours dit GR78, mais son nom complet c'est Chemin du Piémont Pyrénéen. Comme la Via Garonna, ben là c'est la Via du Piémont si vous voulez. Voilà. Moi faut que je monte par là, mais je vais aller voir s'il y a un café ou un truc par ici. Putain, c'est exactement le genre de truc que je cherchais. Par contre, s'ils prennent pas la carte bleue, je suis mort parce que j'ai plus de thunes. Donc là, je suis en train de boire une petite bière au safran devant l'église du village, mais qui est beaucoup trop belle avec les montagnes, avec la petite vierge là, mais c'est trop bien. Et en fait, regardez, Sindel, je l'ai mise là. Il y a un petit terrain, alors c'est chez quelqu'un, oh là là, mais les images, elles sont ouf. Et ce chemin, il a le meilleur nom de rue que j'ai jamais vu, le chemin des célibataires. Je vais juste habiter ici, moi. Et là, ça sera ma maison, voilà. Alors, Sindel, on se régale. Allez, merci, hein. Au revoir. Les amis, c'est même plus une pause à ce niveau-là, c'est une demi-nuit que j'ai fait. Allez, on reprend par là le chemin du Piémont. Sindel! Ça y est, il fait chaud. Tu sais, ce petit moment où tu dis, tiens, pourquoi je me suis habillé en couleur noire? Ça tient très chaud, hein, le pantalon en velours, la chemise noire. Mais croyez-moi que hier, sous la flotte, j'étais content d'être habillé comme ça. Je suis resté littéralement, je sais même plus, 2 heures, peut-être 3, à un petit café en bas. J'ai juste mangé, j'ai bu des bières au safran, j'ai bu des cafés, il y a juste de l'excès. Et je me suis pris une bière au safran pour ce soir, c'était la spécialité du truc. Et maintenant, je reprends ma route. Donc voilà, c'était Esparros. Très bonne pause. Et en fait, c'est agréable en plein milieu des montagnes. On se dit, il ne doit pas y avoir de commerce. Et si, petit commerce, petit bar, petit restaurant. Bref, tout pour être heureux. J'ai même pu recharger mes batteries. Mais c'est pas seulement ça. C'est qu'en fait, j'ai parlé avec énormément de gens. Parce que c'est un lieu qui, mine de rien, assez visité. Parce qu'en fait, tu as le gouffre d'Esparros, pas loin. Là. Qui est un lieu connu, t'as pas mal de grottes préhistoriques aux alentours, alors moi ça me fascine tout ça. Bref, t'as des cascades à aller voir, t'as plein de trucs. Donc en fait c'est un croisement où il y a vachement de gens qui passent, des randonneurs, des gens qui font des petites balades à la journée, des pèlerins, des touristes, enfin c'est... Et du coup, j'ai parlé avec quasiment tout le village, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait une rue qui s'appelle le chemin des célibataires, et je me suis renseigné pourquoi ça s'appelait comme ça, et en fait... Parce qu'ici, à Esparros, il y avait un événement très connu à l'époque, mais vraiment, apparemment, vous pouvez taper ça sur YouTube. C'était le Tinder de l'époque, en fait. Il y avait une fête exprès pour que les célibataires puissent rencontrer les femmes de leur région. Et t'es célib, tu viens à la soirée, c'est pour te maquer. Et les femmes et les hommes venaient célibataires et se mettaient dans cette rue pour rencontrer des gens. Et c'est une fête, apparemment, ouais, c'est presque ancestral. Alors ça s'est arrêté, ils ont essayé de le relancer en 2011-2012. Mais ça serait tellement bien de relancer ça. Donc j'ai appris que le Piémont, c'est parce qu'on est au pied de la montagne. Piémont, c'est-à-dire qu'on est, en montagne, mais pas encore en haute altitude. Et c'est bien, en fait, parce que quand c'est trop haut en altitude, ça perd en végétation, donc c'est quand même moins beau. On en apprend tous les jours, même au détour d'un chemin. Oh, mais regardez comme c'est magnifique. Je viens de rencontrer un couple de jeunes. Ils me disent « Ah, t'as un âne et tout, tu feras gaffe, là-bas on a un cheval, un étalon. S'il a envie de grimper tout ce qui bouge, faudrait pas que ton ânesse soit en chaleur. » Moi je dis « je sais pas comment savoir si elle est en chaleur. » Il me dit « en fait tu vois sa vulve qui clignote. » En fait je vois très bien ce qu'il veut dire parce que ce matin, j'ai précisément bugué sur la foufoune de Sindel qui était en train de clignoter. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que ça clignote? C'est qu'en fait, elle s'ouvre, elle se ferme. On dirait une bouche d'un calamar Mais je savais pas que ça voulait dire ça. Donc ce matin, je vois Sindel qui balance ses hormones sans savoir ce que ça voulait dire. Et j'ai la réponse dans l'après-midi au détour d'un virage au milieu de nulle part. Donc Sindel est en chaleur. Donc je peux faire des petits à Sindel. Enfin moi, pas moi, mais je veux dire, je peux lui faire... Enfin l'étalon, enfin moi, je sais pas, monsieur le juge, écoutez, je sais pas. Allez, avec un passe habillé comme ça aussi, monsieur le juge. Écoutez, c'est pas ma faute. Ça clignote. Faut que j'arrête de dire des conneries dans des si beaux paysages. Je ne suis pas autorisé à dire de la bêtise. Mais vous adorez quand je parle de foufoune. Oh là là.
Est-ce qu'on t'a prévenu que t'avais des mouches sur toi en réalité? Tu le vis pas plus mal que ça au final. On est tous là avec les chevaux, les poneys, les arnais. Ils ont des anti-mouches, ils ont trop de mouches. Elle en a juste 50. Elle a une ruche de mouches sur elle, une colonie. Ça va, ils sont en symbiose. J'aime les mouches. C'est là, mène-toi à la crotte. Le chemin est par ici. Et les 75 chiens sont par là. Alors les chiens, on n'aboie plus maintenant que je suis là. Vous aboyez au loin là. Comme des racailles de cité un peu là. On fait plus le malin là. Hein. On fait plus le malin. Je rigole les chiens. Venez. Alors les chiens. Vous avez peur de mon âne? C'est une croqueuse de cabot, faites attention. Donc là, avec Sindel, on vient de bien grimper. C'est bien ma belle. Ça avançait vraiment, enfin ça montait vraiment beaucoup. Et donc on vient d'arriver sur une sorte de petit col. Et je pense que maintenant on va faire que redescendre. Toujours le GR, chemin de Piémont. Je vois que je suis à 0,50 minutes de Espèche. Ça va ma puce? On arrive bientôt ma babine. Là les amis, mais c'est magnifique, je suis... Oh là là. Au sommet d'une montagne, vue 360, bah c'est trop beau. Regardez-moi sous ça. Oh là là, j'adore. Et là, je longe une crête. Je vais vraiment essayer de trouver un spot ici ce soir. Je sais pas où, mais là, je vais dormir là. Viens, ma belle. Oh putain, ce spot de malade. Chercher un endroit où bivouaquer, mais il y a des trucs, c'est tellement beau, tout est tellement beau. Ça va Sindel? Tu babines? Regardez là-bas, c'est juste trop beau. Avec une montgolfière, un château, j'ai l'impression. C'est assez beau à voir en vrai là. Mon portable rend pas, il filme pas très bien, mais. Oh, mais t'es là, Sindel, tu m'as vachement rattrapé. Bon, voici où finalement je me suis installé. La vue est vraiment cool. En fait, je suis redescendu un peu plus... Je suis arrivé par là, je suis redescendu du sommet. Et là-bas, il y a des maisons. J'ai été demandé s'ils avaient de l'eau pour Sindel. Et en plus de me donner de l'eau, ils m'ont donné un petit sandwich fait maison. Et une pomme. Donc là, je suis en train de m'installer. Le camp pour ce soir. Bon, vu qu'il est un peu tard, j'ai raté le coucher de soleil. Vous le voyez là-bas. Il est entre les arbres. Mais ça ne va pas m'empêcher de me faire un petit apéro. Waouh, Abel. Ah bah génial. Ah bah on a quand même un peu de coucher de soleil. Pas trop mal. Je le vois en train de partir là-bas. Mais dans tous les cas, j'ai une magnifique vue. Je pense que je vais voir les étoiles. Je viens de m'ouvrir une bière au safran que j'ai achetée dans le village précédent. Et je me faisais une réflexion sur la mort. En fait, je m'aperçois que ce qui fait peur dans la mort,
ce n'est pas de mourir, je parle pour moi, c'est de perdre les gens qu'on aime, c'est de perdre l'autre. C'est-à-dire que si moi demain je viens à disparaître, je serai triste de ne plus pouvoir voir ma famille. Et cette idée de la perte, ce n'est pas ma propre mort qui me rend triste ou qui m'effraie ou qui me fait peur, c'est en fait que je sois coupé de ceux qui me sont chers. Également, si je perds quelqu'un, c'est ce qui m'affecte, c'est la perte de cet être, de ne plus pouvoir le voir, le ou la voir. Mais je me faisais une réflexion, je me disais, c'est marrant, si demain j'apprends que pour X raisons tout le monde doit mourir, en même temps, si demain on dit, voilà, il y a une comète qui arrive, la Terre explose, l'idée de la mort ne me fait plus peur. Je n'ai, comme si je me disais, ben on y va tous ensemble, et je n'ai vraiment plus peur en fait, ça ne me fait rien, je m'en fiche même de mourir à ce niveau-là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en gros, c'est d'être seul dans l'au-delà, ou dans l'après, mais c'est pas le temps d'être seul, c'est d'être séparé de ceux qu'on aime, c'est ça. En fait, quand les gens ont peur de la mort, on croit vraiment que c'est la mort, l'acte de passer de la vie à la non-vie qui nous effraie. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Pas pour moi en tout cas. C'est vraiment la perte des gens proches. Que ce soit toi qui disparaisses ou eux qui disparaissent. C'est ça, c'est cette séparation qui est dure. Donc au final, la mort, c'est un manque d'amour. Parce que quand t'es avec l'amour, tu peux partager, tu peux communiquer, tu peux voir, tu peux sentir, tu peux aimer. C'est vraiment ce lien qui est coupé, c'est ça qui fait peur. Et je faisais l'analogie, alors c'est con comme truc, mais je pensais à ça. Imaginez, vous êtes chez vous, c'est la vie, tout le monde bouge partout, tu vas à la plage, tu vas à la montagne, tu es en vacances, tu vas voir tes amis, ta famille. Bon. Et demain, on dit, toi là, tu ne sors plus de chez toi, tu t'enfermes chez toi, tu ne sors plus de chez toi. Tu es comme en prison, tu vois. Et tu vas être là comme un con derrière tes barreaux, derrière ta fenêtre, ben non, j'ai envie de sortir et tu vas voir la vie continuer. Tu seras confiné. Ben ça, ça te déprime. Ce qui te déprime, c'est de voir que toi, tu es fermé pendant que les autres sont vivants, sont dehors. Et rappelez-vous, au moment du premier confinement, on a tous été enfermés. Et je me suis rendu compte que parce que tu sais que ton voisin aussi est enfermé, que tout le monde est enfermé, qu'en fait, la vie n'est pas en train de continuer sans toi, parce qu'on est tous comme des cons enfermés, et ben tu le vivais beaucoup mieux. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'ont mal vécu le confinement, d'autres qui l'ont mieux vécu, d'autres qui sont à la ville, d'autres à la campagne, ça a été pas pareil pour tout le monde. Mais le simple fait de savoir que psychologiquement tout le monde était au même niveau, qu'on était tous confinés, qu'il n'y avait pas d'histoire de toi tu peux bouger, pas toi, machin, machin, l'idée était beaucoup plus supportable. Et je faisais ça, ce lien dans ma tête, je ne sais pas pourquoi je pense à ça à cette heure-ci là. Bonjour. Bien dormi, mais waouh, 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 réveil difficile. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai tellement du mal à m'extirper du lit, du sommeil. Et je suis là, j'ouvre les yeux, je me rendors. Je suis là, il faut que je me lève, j'ouvre les yeux, je suis là, je suis éclaté, je me rendors. Mouche de tsetse, le truc. Maladie du sommeil. Il est tard. Je me suis couché tellement tard. Je suis couché à 3h du matin parce que j'ai fait du montage. Je me suis dit, je vais pas au lit, je m'endors pas tant que j'ai pas fini l'épisode. Donc j'ai monté l'épisode là. Je l'ai fini à 3h du mat. Je l'ai mis en ligne et tout. Et après, je suis tombé. Et là, je crois qu'il est, ouais, il est 11h quoi. Il n'y a plus de réveil quoi. Hier soir, il y avait un ciel étoilé, les amis, mais vous vous rendez pas compte. La Voie lactée était devant moi, là. J'avais la sensation que Dieu me regardait en personne, quoi. C'était incroyable. Allez, Sindel, on y va.
Je crois que j'ai battu tous mes records. Il est seulement 13h30. Au moment où je reprends la route, j'ai vachement traîné. Mais il y a une bonne raison à ça. Hier soir, j'ai fait beaucoup de montage. Je me suis couché très tard, donc je me suis levé très tard aussi. Et j'en ai profité ce matin pour un peu répondre aux mails, répondre aux commentaires. Rappelez-vous, je réponds à tous vos coms. Je les lis tous. Je réponds aux mails, aux comptes privés, sur Instagram, à tout ça. Enfin bref, je suis overbooké. Malgré le fait que je fasse une randonnée, je fais tout ça, toute la com en fait. C'est pas juste de la vidéo, il y a tout l'entretien derrière, de la communauté, de la chaîne YouTube et ça. Donc j'en ai profité, je me suis dit bon, de toute manière je me suis levé tard, autant achever le truc jusqu'au bout. Donc là je décolle, il est 13h30, je n'ai pas de petit déjeuner, je n'ai pas mangé. Et c'est ce que je vais faire au prochain village. Je vois ici à Espèche, apparemment il y a des trucs, buvette, restauration, c'est tout ce que j'ai envie de lire à cette heure-ci. Ah, vraiment les Pyrénées, mais c'est cette ambiance là quand tu descends de la montagne par des petits chemins là et que t'arrives d'un coup, que t'as ce genre de vision. Mais mate-moi ça, moi j'adore, ça me parle. Salut. Donc on arrive sur le petit village. J'ai trouvé l'étape Cariou, la petite buvette slash restauration slash gros squattage de ma part. Ce qui est quand même improbable, c'est que là je suis arrivé de là-bas. J'arrive à la buvette et vous voyez, c'est un truc vraiment déjà magnifique avec vue sur les montagnes. Mais le plus improbable, c'est surtout que la personne qui tient ça, c'est la personne que j'ai croisée hier soir qui m'a conseillé l'endroit où dormir. Ça va, petit Gremlins? Oh, que t'es beau. Peut-être que je suis fatigué aussi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de voir ces synchronicités partout. Juste un café. Voilà, juste un café, maintenant foutez-moi la paix, quoi. Bon, je crois que je vous ai toujours pas montré comment Sindel, je lui ai appris à me faire des bisous. Alors, première étape, je viens mettre son nez dans mon cou et ensuite je viens gratter ici, là, son plexus. Et là, regardez ses lèvres. Là, fais un bisou. Fais un bisou, Sindel. Oh oui, ma belle. Voilà, elle a appris à faire un bisou. Elle qui était pas du tout affective. Allez, il est 15h lorsque je pars de Espèche. J'ai dormi juste dessus. Hein. J'ai dormi. Je crois que c'est. Ouais, putain, j'ai pas fait grand chose. Je crois que c'est là où j'ai dormi. Je suis pas sûr. Ouais, ça doit être par là. J'ai dormi là vers le rond bleu. J'ai fait ça. Voilà, et là je me renclenche dans le sauvage. Alors, toujours sur le JR78. Le chemin, la voie du Piémont. Quand j'étais dans les Cévennes et qu'il faisait des températures vraiment élevées avec cet environnement très aride, je pensais à ici, je pensais aux Pyrénées, je me disais, ah, il me tarde d'être en altitude, à la fraîche, dans des montagnes beaucoup plus vertes. Et ça y est, maintenant j'y suis. Exactement comme je l'avais imaginé, quoi. Tu vois, il fait beau, mais il y a une sorte de petite brise et c'est pas non plus de la grosse chaleur, c'est de la chaleur d'altitude, tu vois. Et ça me fait plaisir en fait, parce que ça me fait dire putain, j'y suis, quoi. Je voulais aussi dire que là, moi, je crois qu'au moment où je tourne cette phrase, c'est mon 63e jour de marche. Mais attention, j'aimerais préciser quelque chose. 63e jour depuis que j'ai acquéri Sindel à Saint-Germain-de-Quelberte. Le petit village qu'on voit au générique là, de l'épisode Le Messager, le jour où j'ai acheté Sindel et après le jour où je suis parti. Donc j'ai commencé à compter à partir de ce jour-là, à partir du jour où je me suis dit, vas-y, je vais à Lourdes et j'invente mon chemin. Donc à partir de là, j'ai compté chaque jour et là on est au 63e jour. Mais en réalité, cela faisait déjà 2 semaines que je marchais avec un âne que j'avais loué, sur le chemin de Stevenson. Cet âne s'appelle Archie. Et vous avez 13 ou 14 vidéos de toute cette aventure, juste avant Le Messager. C'est la série, on pourrait presque dire saison 1, Stevenson, saison 2, Le Messager. Et là, quand je rencontre des gens, vous m'entendez souvent dire dans ces vidéos, « Ah, t'es parti d'où ? Ah, je suis parti du Puy-en-Velay. » En fait, je dis le Puy-en-Velay pour aller plus vite, parce que quand tu dis Saint-Germain-de-Calbert dans les Cévennes, enfin, ça dit rien à personne, quoi. Si tu dis Puy-en-Velay, c'est déjà une grosse ville, c'est déjà un peu plus connu. Et puis en même temps, j'ai pas la sensation de mentir parce qu'en réalité,
le décompte est parti du Puy-en-Velay. Depuis que je marche avec un âne, c'est depuis le Puy-en-Velay. Mais bon, avec Sindel et depuis que je fais cette épopée Le Messager, c'est depuis Saint-Germain-de-Calberre. Et alors, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ces épisodes, Le Messager, j'étais arrivé dans un village. Alors, je ne me rappelle plus exactement le nom du village. Mais j'avais rencontré une pèlerine qui m'avait ramené mon slip et mes chaussettes que j'avais oubliées dans un couvent chez des bonnes sœurs quelques jours avant à Saint-Guilhem-le-Désert. Cette pèlerine s'appelait et s'appelle toujours Lou. Et j'avais fini par rencontrer Lou dans un village, je ne me rappelle plus le nom là, il faudrait que j'aille voir mais j'ai la flemme. Et elle avait fini par me remettre mes vêtements. Et ensuite elle avait continué son chemin. Elle se rendait jusqu'à Santiago. Et elle m'avait dit qu'elle avait pour objectif d'aller à Lourdes. Elle voulait, pendant son périple à elle, donc elle marchait sans animaux, elle n'avait pas d'âne ni de chevaux. Elle m'avait dit, j'irai à Lourdes aussi. Faire une petite variante, un petit crochet vers Lourdes. Ensuite, nos chemins se sont séparés, on a chacun repris notre aventure de notre côté. Et 15 jours plus tard, j'ai reçu un message de Lou qui me disait, ça y est, je suis bien arrivé à Lourdes. Voilà, pensée pour toi, bon courage. Donc ça veut dire que Lou, depuis le jour où on s'est rencontrés, elle a simplement mis 15 jours pour aller à Lourdes à pied. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que moi, là j'ai mis plus de 2 mois. En vrai, ça se fait beaucoup plus rapidement. En vrai, déjà si vous marchez sans âne, vous traversez la France beaucoup plus vite. Mais c'est pas seulement ça. C'est que si vous respectez les étapes, que vous faites d'un minimum 20-25 bornes par jour, vous allez aller aussi beaucoup plus vite. Moi, il faut comprendre que j'ai fait ça à ma manière, en prenant énormément de temps. Je traîne le matin, je traîne le soir, je parle avec tout le monde. Dès l'instant qu'il y a des musées, des églises, je vais visiter. Quand je trouve un lieu qui me plaît trop, j'y reste 1, 2, parfois 3 jours. Je filme, je m'arrête pour filmer, pour monter, pour publier sur YouTube. Je laisse faire l'improvisation et la vie. Quand il y a des gens qui me disent « tu devrais aller voir là, j'y vais ». Quand il y a un chemin, quand il y a un détour, je vais le faire. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si un jour vous faites le chemin que je suis en train de créer, le chemin du messager, la voie du débourreur, il y en a plein qui m'ont conseillé d'appeler ce chemin la voie céleste, mais non, ça en fait un peu trop la voie céleste, honnêtement. Mais bon, bref, je vous remercie de vos propositions. Mais si un jour vous faites ce chemin, vous dites pas « oh là là, il faut 2 mois ». Non, il faut 2 mois si vous le faites à la céleste. Si vous faites comme n'importe quel randonneur, j'ai même envie de dire qu'en 15 jours, c'est plié du point de départ jusqu'à l'arrivée. Vraiment, prenez pas en compte. Moi, je fais aussi durer, ça me fait plaisir, je fais des vidéos. Enfin, il y a tout un délire, je suis pas là sportif, j'ai pas envie de speedrunner, comme on dit. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était que ce décompte de jours, 62, 63, 64, c'est vraiment celui de mon aventure, de mon parcours, comme un récit, comme un écrivain qui aurait écrit un journal de bord, un carnet de voyage, chapitre par chapitre, jour par jour. Mais vous pouvez le faire beaucoup plus vite ou vous pouvez le faire beaucoup plus lentement. J'arrive à Badster. Il y a une sorte de chapiteau avec un kirk. J'ai mon côté bébé qui fait que j'adore les cirques alors que j'y suis genre allé 2 fois dans ma vie quoi. Et ça a peur de tous les chevaux là, c'est fou. Hein. Bon les gars, vous en faites trop là. On sait jamais au cas où t'aurais le Covid, Sindel, que quand même distanciation sociale. Hein. Vous êtes pas un peu précieux les gars. Vous avez vraiment de la chance d'être beau avec des montagnes derrière vous. Hein. Bon, ben vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que moi, je prenne mon temps et que du coup, d'un truc qui se fait en 15 jours, je mets 2 mois à le faire. Là, c'en est la preuve, je marche, je viens de voir une petite rivière, j'en ai profité pour me laver. Ça faisait plusieurs jours que j'avais pas pris un bon bain frais, laver les cheveux, laver le corps. Je rappelle, sans savon, moi c'est juste je me trempe, je me frotte et c'est tout. Et j'ai fait également de la lessive, pareil, sans savon. J'ai donc changé de chemise, j'ai lavé des slips, des chaussettes. Et tu te sens plus frais là, ça faisait plusieurs jours que j'avais transpiré, ça me donnait envie un peu de me rafraîchir. Puis là, vu la clarté de l'eau, tu peux pas dire non quoi.
J'arrive, je crois, au moulin des Baronnies. Petit endroit familial pour faire des baignades. Regardez, il y a un petit descriptif du chemin du Piémont pyrénéen. Je vous le filme, je vous invite à mettre pause. Si vous voulez lire le texte que je viens de lire, il est très intéressant. Donc là, je suis dans une petite buvette. Je me suis acheté des bières pour ce soir et des cookies. En fait, j'ai plus rien à manger et je n'ai plus d'argent non plus. Je n'ai plus d'argent, donc là, c'est un peu compliqué de trouver à bouffer. Bref, il y a des gens qui viennent de me donner du pain et du melon pour ce soir. Je n'ai plus d'argent, mais toujours un peu d'argent pour le café. Et alors, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est une glace Magnum au chocolat et je n'en bouffe jamais de ces merdes-là. En fait, j'aime pas les glaces. Je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas été élevé aux bonbons et au sucre. Mais quand je suis en rando, des fois, je m'accorde ce genre de conneries parce que je me dis, ouais, je marche et tout, c'est bon, je peux bien me faire plaisir. Alors, je vais vous montrer un truc obscène que j'aime bien faire avec une glace. Ça, c'est porno. Allez, je quitte ce petit endroit et je reprends ma route alors qu'il est déjà tard. Et en fait, bah, c'est un camping, en fait, ici, tout simplement. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment au milieu de la forêt. C'est assez intéressant comme truc. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un village, c'est perdu au milieu de rien. Parce que c'est sauvage autour, il n'y a pas de ville avant longtemps. Là, tout le monde me le dit, hein. Tout le monde me dit, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Et ben, en fait, tu as une petite buvette, t'as un mec qui fait des pizzas là, t'as un camping. Et c'est tout bête, mais c'est des endroits sains, je sais pas comment expliquer, c'est juste sain en fait. Il n'y a pas besoin de plus. C'est calme, c'est dans une... Alors, ça s'appelle la Baronnie, j'ai demandé ce que c'était, la Baronnie. En fait, c'est quand c'est dans un creux de vallée, mais que c'est un peu plus espacé façon plaine, mais que ça reste quand même entouré de collines. Ça s'appelle les Baronnies. Et c'est génial, en fait. C'est un endroit vraiment dégagé, mais en plein creux de vallée. Enfin bref, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais il y a une bonne onde, en fait. Je le sens bien ici, j'adore ce truc. Je suis en train de traverser un joli petit village et alors je suis toujours en admiration face à ça là. Cette palissade, alors il faut que je trouve le nom, je vais vous le trouver. Je sais pas pourquoi ça m'évoque un truc, j'ai envie d'avoir une baraque avec ça. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin si, je pense que c'est des anciens séchoirs à maïs, à grains, à foin, à ce que tu veux. Chez moi, vu que c'est une châtaigneraie, j'y foutrais des châtaignes. J'aime bien ce côté palissade quoi. Je crois que ça m'évoque, je vais vous dire, ça m'évoque des vieux films d'horreur américains. Ou tu sais, derrière, t'as le mec qui t'attend et toi t'es caché là-dedans, mais t'es pas vraiment caché parce qu'il y a des trous en fait. Je suis à Bourg-de-Bigorre, toujours sur le GR78. Et j'ai rien de plus à signaler à part que c'est vraiment beau en fait, tout est beau. Vous savez, souvent dans ces vidéos, je vous montre des vieilles maisons en pierre pour vous dire regardez, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais là, vous voyez, cette maison qui est pas spécialement en pierre mais qui reste ancienne, je la trouve super belle par exemple. Déjà devant, analysons le devant. Petite palissade avec le cliché de la barrière en bois, avec le petit mur en pierre, on valide. Un crépi étonnamment pas trop dégueulasse pour une fois, couleur sablée. Le contour des vitres, des fenêtres, laissé en pierre, on valide. Là-haut, les fenêtres, alors je sais plus comment ça s'appelle, comme ça c'est pas des Velux, mais ça porte un nom spécial, on valide. Le petit balcon avec la vieille rambarde en fer forgé, suivi de l'encadrement poutre apparente, on valide. Le rosier et les fleurs grimpantes, on valide. Voilà, magnifique cette baraque. J'aime beaucoup. La reine mère. Qu'elle est jolie. Alors je sais que ça passionne que moi et que vous en avez ras le cul, mais là par exemple, tu vois, je trouve ça beau encore. Parfaitement, je fais un blocage. Je vais vous dire un truc qui m'énerve le plus lorsque je suis en train de voyager avec mon âne depuis 2 mois. Un des trucs qui m'agace vraiment, qui me fout hors de moi, c'est quand Sindel avance et quand il y a un groupe de gens, des fois elle fait des blocages parce que les gens parlent, ils font du bruit, ça lui met beaucoup d'informations d'un coup, donc en fait elle avance puis d'un coup elle va s'arrêter comme ça. Ce qui me met le plus hors de moi, c'est pas que Sindel s'arrête, c'est que les gens jubilent, mais les mecs ils mouillent leur slip, hein. Ils sont contents de voir que l'âne n'avance plus, ça leur fait un truc genre oh bah alors il avance pas, tu sais, ça leur fait. Ça leur déclenche une case mongolien qui fait qu'ils se sentent obligés de dire quelque chose. C'est-à-dire que quand ils avancent, ils n'ont pas les neurones pour dire quelque chose de constructif.
Donc ils disent rien en fait. Il y a zéro réaction neuronale, ils saignent du nez juste. Et puis d'un coup, quand ils s'arrêtent, ping, il y a deux connexions synaptiques qui se font. Ah, il n'avance plus! Et en fait, ça, je te jure, je pourrais taper des gens, quoi. Si un jour je me présente aux élections, votez pas pour moi. Votez pas pour moi. Votez Zemmour. Merde, j'ai encore perdu un contrat lyophilisé.fr. Non, ce que je veux dire, c'est que je sais pas pourquoi ça m'agace. Ça m'agace quand Sindel fait un blocage, quand il y a des gens autour. Genre, je sais pas, t'es en train de traverser une ville. T'es à l'avance, tout le monde dit rien. Ou au pire, on va juste dire, ah, vous suis, parce que tu sais, je la tiens pas. Donc c'est surtout ça. C'est le fait que je la tienne pas qui étonne les gens. Putain, il y a un putain de château là-bas. Le fait qu'elle me suive comme ça de dos, c'est ça qui étonne les gens. Le fait qu'il y ait un château comme ça au haut d'une montagne, ça, c'est ce qui étonne Céleste. Putain, mais c'est beaucoup trop beau! Ils sont là comme des gros bofs. Je te jure, à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Ça dure pas longtemps, mais je perds foi en l'humanité pendant un instant. Je sais pas pourquoi ça m'agace. Moi, par exemple, avant que j'ai des ânes, quand je voyais un mec passer avec un âne, je me disais pas dans ma tête, oh bah dis donc, il avance l'âne. C'est pas comme dans les livres ou à la télé. Je me disais pas non plus, quand il s'arrêtait, eh, ça avance pas, ça doit être galère. Oh pardon, faut que j'aille faire ma quatrième dose en fait. J'avais envie de partager. Ça me fait du bien des fois de péter des câbles. Arrêtez de me dire, hein, Céleste, je suis étonné dans tes vidéos, tu parles de spiritualité, mais des fois tu es un peu grossier, ton humour est très lourd. Eh, ça va péter un coup. Petit village à la Resident Evil. Voilà, je sors aussi des références de geek. Mourir est bébir. C'est trop mignon cette petite barrière en bout de bois. En bout de bois, même très fragile, je sens. Je sens que c'est absolument fragile. C'est un peu comme lorsque les gens me voient et me disent, oh bah, elle est sacrément chargée, hein. On doit avoir soif là, elle est fatiguée, non? Mais ferme-la. Tiens, assis-toi là-dessus, s'il te plaît. C'est à un moment donné, c'est vrai que voilà, j'avais envie de partager avec vous, après ces 2 mois de voyage, tout ce qui me saoule, quoi. Mais vraiment, ça me saoule, hein. Je réponds même plus, quoi. C'est pas avec ces vidéos YouTube que je vais refaire le monde. Hein. Comme ça, les gens sont contents. Quand ils voient qu'un âne n'avance pas, ça leur déclenche un truc. Un truc dans le cortex pré-cérébral, on sait plus trop. C'est primaire. Mais vraiment, en plus, ils chopent tous la même voix quand ils disent ça. Option au chromosome qui s'active. Et d'un coup, c'est elle qui avance plus. D'accord, c'est bien, pépère. Allez, va reprendre tes cachets. Oh putain, il y a une belle montagne là-bas. Ouh, j'arrive au mon destin. Oh putain, mais c'est épique ça, les gars, avec le nuage là qui le scie en deux. Ouais, mais what, c'est beaucoup trop beau. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais j'arrive à Bonne-Maison. Voilà, je viens de franchir le pont en sortant de la forêt, donc voilà, j'arrive sur Bonne-Maison. Je pense que je vais traverser ce petit village et après commencer à chercher un endroit où bivouaquer. Mais putain, cette montagne est beaucoup trop stylée, quoi. Ça le fait, mais carrément, c'est génial. Si j'ai bien compris la carte, j'arrive bientôt à une abbaye. Il commence à se faire tard, bien que le soleil soit encore haut en réalité. C'est vrai que c'est agréable de faire des randos l'été, c'est que... Là, il est 19h passé, peut-être bientôt 20h. Et t'as encore le soleil. En réalité, tu peux marcher jusqu'à des 21h, presque 22h. Bon, là, je sors de ce sous-bois. Je voulais aller voir la petite abbaye. Et boum! Mais what? Alors, attends, déjà. Déjà, c'est beau pour commencer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une œuvre d'art? Mais attendez, moi, je veux dormir là-dedans. On rentre dans l'abbaye, Sindel, même si c'est interdit. C'est un arbre géant qui a été fait en écorce, je pense que c'est une œuvre d'art. Putain, c'est mortel. Hein. Abbaye cistercienne de l'Escaladieu, 12e siècle. Ben voilà pourquoi ça me parle, c'est du 12e. Moi, dès l'instant que c'est 12e, ça me parle, mais je pense que ça a l'air d'être quand même fermé au public. J'y vais au culot au bout d'un moment. Oh là, boum boum. Bon, voici où je m'installe pour la nuit. C'est un peu nul et un peu bien. C'est-à-dire que je suis à côté de l'abbaye cistercienne. Ça, c'est bien. Mais par contre, en réalité, je suis derrière une sorte de station d'épuration. On sait pas trop, un truc qui filtre l'eau. Et à côté du parking visiteur. Voilà, ça, c'est un peu nul. Là, je vais chercher de l'eau pour Sindel. Je me suis mis ici parce qu'au final... en fait, si je me renclenche dans la rando, c'est des petits sentiers avec assez escarpés, donc très peu d'endroits où je pourrais m'installer. Puis là, peut-être demain matin, je pourrais faire un tour vite fait à l'abbaye. Et puis aussi parce qu'il est tard. Il est tard et j'ai pas d'autre solution. Enfin, c'est bon là, j'ai envie de me poser. Sindel, elle a bien bossé. C'est marrant, dans ce champ de vaches,
Il y a un cheval. En plus, ce village s'appelle la Lumière. Le Lous, le Lumière. Mais voilà, petit accès à la rivière par là ou pas? Pas du tout. Trop mignon, lui. T'as vu Sindel, toi? Je rigole, ça va, c'est moi qui rigole. Bon, du coup, pour trouver de l'eau, j'ai dû faire 10 km. Là, il y a de la flotte, c'est casse-couille, je suis revenu en arrière. Des fois, c'est con, hein. Tu vois la rivière, mais genre, il y avait juste pas d'accès à l'eau, quoi. Ça va, Sindel? Donc il a fait orage toute la nuit. Vraiment. Avec gros éclairs, le vent, grosse pluie bien vénère. Du coup, toute la nuit, je dormais, mais je rêvais que le truc inondait, se remplissait. Que l'eau ruisselait et que j'étais... Et en fait, non, pas du tout. Malgré le camp faiblement tendu, parce que bah, je l'ai pas attaché, j'ai pas très bien tendu tout, ça a carrément fonctionné. Babine! Je suis caché dans les buissons. Bon, il pleut encore. Donc je suis venu me remettre à l'abri dans ma tente, enfin sous mon tarp. Je pourrais très bien marcher sous la pluie, mais en fait, j'ai la flemme. Non, en vrai, il faut juste que... De se préparer, c'est long. Défaire le camp, se rhabiller, machin. Donc j'attends que la grosse pluie arrête, là. En gros, il faut que je trouve une fenêtre de non-pluie, le temps de défaire le camp. Et de m'habiller justement, et après il peut pleuvoir, une fois que je suis protégé c'est bon. Mais là il y a un moment où je peux pas sortir s'il flotte comme ça, sinon je vais tremper toutes mes affaires, les couvertures et tout. Donc là je dois attendre que la pluie passe. Et du temps je fais du montage. Je quitte l'abbaye de l'Escaladieu. Où j'ai réussi en entrant à l'accueil à demander un petit café. Et la dame a été très gentille, non seulement elle m'a donné un café, mais elle m'a donné aussi des pâtes de fruits faites par les moines et des petits gâteaux. Donc je reviens légèrement en arrière, parce que hier je suis passé de ce côté-ci, pour reprendre le GR juste là. Voilà, donc l'abbaye est juste là. Et moi je me renclenche là-dessus, sur le GR 78, chemin du Piémont. Donc vraiment, il a fait orage toute la nuit. Pluie, gros éclair. Là, je vois qu'il y a pas mal d'arbres qui sont tombés. Là, on vient d'en passer un, justement, avec Sindel. Mais moi, dans ma tente, juste, j'ai dormi comme un loukoum, quoi. J'entendais vaguement l'éclair, mais j'arrive pas à s'expliquer. En fait, ça me berce. Quand j'entends l'orage et la pluie dehors et que moi, je me sens dedans en sécurité, ça me rappelle quand j'étais dans ventre de mer. C'est les sons en sourdine, comme ça, à basse fréquence. Je sais que rien ne peut m'arriver. Et je pourrais rester 9 mois dans ma tente, moi. Comme quoi, peut-être que la vie n'est qu'une grande tempête, finalement. Et que le seul endroit où nous sommes bien, c'est dans maman. Je pense aussi qu'on ne peut pas rester caché toute sa vie. À un moment donné, il faut bien aller affronter le destin pour grandir. En fait, on est deux fois. On est une première fois lorsqu'on sort de l'intérieur à l'extérieur. On est une seconde fois lorsqu'on comprend pourquoi on est sorti une première fois. Depuis ce matin, c'est tout simplement que de la grimpe. Que de la grimpe. Là, on sent qu'on est dans les Pyrénées, hein. Ça y est, c'est escarpé. Et là, je vais faire un petit arrêt ici, il y a un abreuvoir. Pour Sindel et moi-même.
Une personne m'a écrit un message que je trouve très intéressant et que j'ai envie de vous partager. Cette personne me dit la chose suivante. Céleste, tu marches avec un bâton. Bâton, symbole du masculin, quelque chose de droit, de solide, quelque chose d'érectible. Moi-même étant l'incarnation d'un homme, j'avance, j'explore, je m'aventure pour aller vers la rencontre d'un féminin, d'une femme, la Vierge, à Lourdes, qui elle-même est dans une grotte, grotte représentant l'utérus, un utérus dans lequel je vais avec mon bâton, féconder. Féconder quoi ? Féconder l'âme, féconder l'esprit, créer un nouveau monde où tout est possible. C'est ça qu'on appelle le miracle. D'une rencontre naît la vie. J'aime cette idée. J'aime incarner cet archétype masculin qui va à la rencontre d'un archétype féminin. Castillon. Voilà, donc j'ai continué à suivre le guerre. J'ai bien avancé. Oh ouais. Oh bah oui, je serais largement à Bagnères de Bibi ce soir. Après la petite pause effectuée dans le village de Castillon en bas, j'ai mangé. Je continue de grimper, j'arrive au village de Bête. Mais je ne vais pas le traverser car mon chemin continue par ici. Ah ah, l'épreuve ultime que j'attendais. Depuis le début de mon voyage, je parlais de cette épreuve. Je savais que j'allais la rencontrer dans les Pyrénées. Le fameux pont de Poix, enjambant la rivière. Ah ah, j'ai pensé à toi tant de fois. Je t'ai tellement imaginé que je pense qu'aujourd'hui je t'ai créé. Oh là là, comme si Sindel allait passer là-dessus. On le sait d'avance que non, hein. C'est exactement ce à quoi je pensais. Depuis le début de mon aventure, je me suis dit, dans les Pyrénées, il va forcément y avoir un moment. Oh, mais elle est intelligente. Elle est intelligente. Viens, Sindel. Là, ouais, tu traverses là. Oui, c'est bien, Sindel. Oui. Oui, oui, putain, c'est génial. C'est bien, ma grande. Ah, c'est génial. Ça, j'adore. C'est bien. C'est très, très bien, Sindel. Arrivé sur le village d'Uzère. En tout cas, je suis assez content parce que je pense que je suis devenu un pro du tarp maintenant. Vraiment, je le pense. Je suis vraiment devenu bon pour monter des abris rapidement, efficaces, grands, de différentes formes. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est testé à prouver, quoi. J'ai passé plein d'orages, la flotte, le vent. Il y a juste un truc que je n'ai pas encore fait avec ce tarp-là. Non mais si, j'allais dire l'hiver, si j'ai fait la... Enfin, j'ai pas fait du grand froid, j'ai fait du froid, automne, hiver, mais j'ai pas fait du grand froid. Alors dans ce petit village, tout est réuni au même endroit. Une personne gentille ici qui a les clés de la maison et qui est partie me faire un café. Les clés de la maison, que je raconte, les clés de l'église. Ça y est, j'ai chez moi l'église. La mairie ici. Le monument aux morts là. Oh putain, qui c'est ? Sindel, elle a décidé d'en avoir plus rien à taper, quoi. J'adore les fougères comme ça. Ça m'évoque quelque chose de très sauvage et de très préhistorique. Et je crois que mon côté chasseur-cueilleur ou mon côté druide celtique se réveille face à cette végétation très verdoyante. J'ai croisé un villageois dans le village dernier qui m'a dit « Vous allez où ?» J'ai répondu « À Lourdes !»« Oh bah vous y êtes demain !» Bah. Je sais pas si j'y serai demain, peut-être que j'y serai demain, j'ai un peu du mal à me faire à cette idée. Tiens, 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 comme par hasard, une autre rivière à franchir et un autre pont en bois là-bas. On va même pas essayer le pont, on va directement passer dans l'eau.
pour montrer à Sindel que c'est faisable. Je teste même pas le pont là-bas. Oui, c'est bien Sindel. Ah, génial. Y a ma grande. Ouais, super. Bien joué. Ah là là, je redoutais. Ah mais d'accord, c'est même pas un pont, c'est un arbre. Génial. Je valide ça. Je valide l'invention de ce pont là. Putain, les décors, mais waouh. Bon bah là Sindel, tu serais même pas passé. Je pense que même un pèlerin un peu gros passerait même pas là. Putain, ici les amis, c'est tout sauf sécheresse. Tout est vert, tout est mousseux, tout est même boueux. La gadoue du mois de septembre au mois d'août. Faudrait porter du caoutchouc pour patauger dans la gadoue, boue, la gadoue, doux, la gadoue. C'est Nike. J'aime tout simplement ce genre de forêt parce que ça me rappelle celle de chez moi. C'est où chez toi, c'est non, tu m'auras pas comme ça, l'ami. Il y a presque un côté automnal là. Il y a presque une petite ambiance. On va aller aux champignons, coulmel, cèpe, bolet. Manitou mouche. Dadou dadi dadi dadou. Babine. Dadi 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 dadou. Donc là, je suis en train de bien grimper dans la montagne. J'ai quitté Uzer. Je suis toujours en train de suivre le GR68 et j'arrive à l'anus. Voilà. Je vais rentrer dans l'anus. En tout cas, je suis très content d'y aller avec mon bâton dans l'anus. En tout cas. En tout cas, je suis très ému parce que j'arrive bientôt à Lourdes et l'anus. Aujourd'hui, c'est le 64e jour que je marche. 64e jour d'affilée. Alors pourquoi ce chiffre a une importance? C'est parce que je viens officiellement de battre mon propre record, en tout cas de l'égaliser. Demain, je l'aurai battu. Sur Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais mis 64 jours depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Santiago en Espagne. 64 jours, un tout petit peu plus que 2 mois pour aller en Espagne, sauf que je ne l'avais pas fait d'une traite. Là, c'est chose faite. 64 jours depuis le jour 1 du messager. Mais comme je vous l'ai expliqué, en vrai, on peut rajouter 2 semaines à ça. Donc en fait, mon record, je l'ai déjà battu, de passer autant de jours d'affilée en extérieur. Vivre dehors, finalement. Je suis parti début mai. Et là, on arrive début août. Donc ouais, ça fait un bon bout de temps. 64 jours que je vis avec la nature, que l'orage et la pluie me bercent, que Sindel me rassure, que mes pas avancent, que les rivières me nettoient, que le soleil me réchauffe, que l'eau m'hydrate, que la nature me nourrit. 64 jours d'éveil des sens, du corps et de l'esprit. J'ai mon regard qui s'est d'abord posé sur cette barrière. Je me suis dit, ouais, ben, elle va où cette barrière? Et ensuite, boum, il y a une putain de... Mais c'est même plus une cabane, c'est une vraie maison dans l'arbre, en fait. Putain, mais c'est génial. Mais c'est une vraie... Mais putain, mais c'est une vraie baraque dans l'arbre. Avec petit pont et tout. Mais c'est génial, c'est top. Ne fait que grimper aujourd'hui, ça grimpe tellement que au bout d'un moment je me demande où est-ce que je grimpe comme ça. Ah mais j'ai enfin compris où est-ce que ce chemin qui monte sans cesse m'amène. Sur cet excellent point de vue. Ah ces montagnes au loin. Alors je vous explique ce qui se passe parce que c'est improbable. Tellement improbable que j'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait là je viens de marcher, on est au milieu de nulle part, hein. Je suis en train de, vous voyez, c'est une route comme ça qui zigzague dans les montagnes, il n'y a rien autour. Et en fait il y a des gens qui m'ont vu, qui m'ont dit ah vous marchez avec un âne et tout ça, nous on vient d'avoir des ânes, ils viennent d'acheter des ânes, après, donc ils parlent et puis d'un coup ils me disent si vous voulez ce soir vous pouvez mettre votre âne avec notre âne et vous venez boire des coups, on va à une soirée machin. Et je sais pas pourquoi l'information était tellement rapide et inattendue, moi j'étais dans ma tête et tout, en train de me dire ouais je vis Bagnères de Bigorre et tout. Que d'un coup je fais non c'est gentil merci. Et là ils viennent de partir, du coup j'ai raté le coach. Et je suis dans le regret. Je suis dans le regret parce que je me dis mais pourquoi j'ai dit non en fait. Moi qui ai toujours dit oui à toutes les propositions.
Rappelez-vous, en ce moment, je suis en mode yes man, je dis oui à tout ce qui se propose. Et du coup, bah là, je suis en train de revenir en arrière. Vous voyez, moi, je suis arrivé de cette route, ils m'ont dit qu'ils habitaient par ici, donc là, je vais retenter la chance. Je vais retenter, je vais leur dire, écoutez, d'accord, j'accepte. Donc voilà, parce que je sais pas pourquoi je leur ai dit non, donc je vais leur dire, écoutez, d'accord. Je mets mon âne avec votre âne et je viens avec vous à la soirée. En réalité, je vais vous dire pourquoi j'ai dit non, je le sais, j'ai du mal à laisser Sindel. Ça me fait chier de me dire, je la laisse toute une soirée et tout. Mais je vais voir, je vais voir. En fait, c'est tellement gros, c'est-à-dire ça sort tellement de nulle part, regardez où je suis. Ça sort tellement de nulle part, ce genre de proposition en pleine campagne, que j'ai dit non par réflexe. Mais en fait, vas-y, on n'a qu'une vie. Le point de vue est quand même franchement pas dégueu. Bon, je pense que c'est ici, je vais voir. Bon alors, je me retrouve à crapahuter dans un champ. Je vous explique. J'ai réussi à trouver la maison des gens. Je leur ai dit, ok, finalement, je veux bien venir avec vous à la soirée. Donc là, en fait, je suis accompagné du propriétaire. On va aller mettre Sindel avec les autres ânes qu'ils ont. Demi-tour, ok ? Heureusement, il y a un mâle, mais il est castré. Parce que Sindel, en ce moment, moi, elle est en chaleur. Donc Sindel va passer la soirée là. Et moi, ils m'ont proposé de m'inviter passer la soirée avec eux. Il y a une soirée paysanne avec petits concerts et tout. Donc bon, impossible de dire non. Et ils m'ont proposé aussi de rester dormir ensuite. Donc je visais Bannière de Bigorre. Ben finalement, je m'arrête un peu avant. Regarde, Sindel. Il y a un autre âne, là. Alors? Oh, il est beau, lui. Sindel, tu vas passer la nuit avec deux amis. Oh putain, mais ils sont trop beaux. Oh là là, putain, comme ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. C'est des ânes des Pyrénées. Il y a un mâle et une femelle là? Il y a, ouais, mais le mâle il est castré quoi. Oh putain, ils sont super. Il a 5 ans et elle a 12 ans. Et là, je viens de m'emmener se faire saillir. Là, je viens de la ramener. Ouais. Salut, putain, vous êtes trop beaux. Hein. Bon, moi, elle est full chaleur en ce moment. A plus, Sindel. Elle a à boire et à manger, au fait? Est-ce qu'elle a de l'eau? Donc je viens de laisser Sindel pas du tout là, à une demi-heure d'ici, chez les gens. Et là, les gens m'ont amené à une petite soirée qui est en plein dans les montagnes. Donc ça va être bière. Et je suis un peu triste d'avoir laissé Sindel, mais bon, voilà. J'ai un entier là qui a 2 ans. Et là, c'est une femelle à côté? Et là, c'est une femelle. Hein. Elle est plus grande et plus grosse? Oui, mais c'est pas la même famille. Ah, d'accord. Un type gascon, voilà. Dans l'âne des Pyrénées, il y a 2 types d'âne. Le type gascon, en dessous de 1m30. Ouais. Et au-dessus d'un 30 et sans limite, c'est le type catalan, qui sert à faire de la mule et du mulet. Ouais, du coup, j'oublie carrément de filmer, moi, en fait. J'oublie de filmer alors qu'il se passe plein de trucs. Je suis dans un camping-car ce soir. Vous vous attendez pas à celle-là, hein. J'arrive même plus à articuler à cette heure-ci. Moi non plus, je m'y attendais pas. Alors, qu'est-ce que je fais dans un camping-car? Je vais vite fait vous résumer. J'étais en train de marcher dans la campagne. D'un coup, derrière moi, j'entends une voix qui fait « Hey, hey, t'as des ânes, moi aussi j'ai des ânes et tout. » Du coup, voilà, on fait connaissance, machin. Après, c'est « Bah, si tu veux, ce soir, on va à une soirée, mets ton âne chez nous et tu viens avec nous à la soirée, boire des bières et tout. » Donc après, c'est ce que vous avez vu, j'ai fait « Ok. » Du coup, j'ai amené Sindel dans un champ avec d'autres ânes. Et après, on a été à la petite soirée, donc il y avait un petit concert, tout ça. C'était un truc de l'artisanat. Et après, là, on est rentré et du coup, ils m'ont dit « Si tu veux, dors à la maison. On a un camping-car dans la cour, tu peux prendre. » Voilà, donc là, je suis dans un camping-car. Et avant de revenir ici, on est repassé voir Sindel parce que moi, j'avais peur qu'elle s'échappe, Sindel. Sindel n'a pas l'habitude d'être loin de moi. Et en même temps, il faut que je l'habitue quand même à voir d'autres ânes, mais aussi à ce que des fois, on ne soit pas H24 ensemble, quoi.
Et du coup, non, elle était dans le champ, tranquille, là, m'a revu et tout. Voilà. Voilà, c'était le résumé, tranquillou. Maintenant, installation et go dodo. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.